Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Heroes, le crépuscule de l'arbre du monde, si je me trompe pas. Attendez, je vérifie encore une fois. Voilà, c'est ça, le crépuscule de l'arbre du monde. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec l'Odyssée du Roi Maudit, celui-ci, avec les Sentinelles du Firmament à chaque fois. C'est vrai que c'est compliqué de tout retenir. Donc du coup, on est sur Dragon Quest Heroes, on continue l'aventure, quoi, le mode histoire. On était où? On était à Porte du Jour, si je me trompe pas, qui est le village natal de Isild. Et donc aujourd'hui, on va aller à l'arbre de vie. Ah non, c'est... Ouais, si, c'est ça, Pointe du Jour. Du coup, on va aller à l'arbre de vie et on va devoir passer encore une certaine épreuve puisqu'apparemment les habitants ne veulent pas de nous là-bas et ça risque d'être un petit peu dangereux. Je vous ai pas montré l'équipe, mais j'ai viré Isild, j'ai remis Tommy. Tommy qui était un épéiste, un des meilleurs épéistes, je crois, de quoi? Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Vous devez vous rendre auprès de Tulip et ajouter Isild à votre équipe. Ah, merde, putain. Bon, ben, tant pis. On va remettre Isild, alors, hein, tant pis, hein. On n'a pas le choix. On va remettre Isild. C'est pas grave. On va la remettre. Ouais, je pense qu'on est obligé de la mettre quand même parce que c'est son village. C'est un peu son histoire. Donc forcément, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais bon, pourquoi pas. Ça serait bien de pouvoir jouer Tulip d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle vaut, elle. Je sais pas si c'est un personnage qui était déjà présent. Ça me dit rien du tout comme ça. Enfin, si, ça me dit quelque chose. Et à la fois, ça me dit rien, ce personnage. J'aimerais bien, je sais pas, elle a l'air cool quand même. J'aime bien sa tête. J'aime bien son, voilà, son design, quoi, directement. Et du coup, ça serait bien de pouvoir la jouer. Peut-être qu'on la débloque plus tard. Je ne sais pas encore. Du coup, pointe du jour. Allez, on est parti relever le défi avec grand plaisir qu'on va le relever le défi et qu'on va le réussir, bien sûr. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de le réussir parce que si on échoue, on recommence. C'est obligé. On peut pas arrêter comme ça. C'est pas possible. Cinématique.聖なる雫が手に入るんだったな。ええ、そうよ。さあ、二人とも霊木の前へ。待って。あと一息なのよ。じゃあなんてさせないわ。 ああ、そもそも俺の完璧な作戦を邪魔することなんて、どんな奴にもできやしないけどな。そうね。作戦とかよくわからないけど、邪魔する奴は片っ端からやっつけてやるわ。あなたたち、本当に頼もしくなったわね。じゃあ、みんなでさっさと片付けちゃいましょう。 Ok, c'est la bagarre. Oh, oh, ouais, attendez, on n'a même pas commencé que je mange un boulet de canon dans la figure. Ok, donc il va falloir que je défonce celui-là, Shiva attaque, et derrière, il y a des nécro-canons. Oh, attends, parce que là, t'attaques comme ça, comme un fou. Attends, arrête d'attaquer comme ça. Attention, voilà, parfait, c'est bon, on a esquivé tout ça. Allez, lui, on le tape un peu, il est fatigué, forcément, il est fatigué après ce qu'il vient de faire, le con. Ok, par contre, je prends cher, derrière, voilà, il y en a qui m'envoient des boules de canon et tout. C'est un peu tendu cette histoire, c'est un peu tendu. Attention parce que j'ai pas de vision sur les, voilà, sur les canons derrière. Ah non, mais les canons ils attaquent l'arbre de vie en fait. Ok, je viens de comprendre, ils attaquent ok, l'arbre de vie. Donc à moi de faire en sorte hop, d'esquiver. Oh là là, putain, j'arrive à rien esquiver, je suis vraiment nul aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je me fais bombarder en plus. Attention, oh là, mais j'arrive à rien esquiver, c'est quoi ces conneries? Comment ça se fait que j'arrive à rien esquiver comme ça? Ah oui, ça fait du bien ça. Ça fait du bien. Attention parce que son attaque a été améliorée. Ah, ce petit salaud. Attention, il nous prépare un sort. Ah, il faut... Ah ouais, putain, il est énervé là. Là, il est énervé, je crois. Je crois qu'on l'a mis un peu en colère. Voilà, parfait. Et là, du coup, normalement, il va devoir se reposer. Exactement. J'ai bien compris comment ça fonctionne maintenant. Par contre, je n'arrive toujours pas à le vaincre, bien sûr. Il va envoyer un sort. Ok, il a envoyé de la glace au sol. Il nous a un peu ralenti. Par contre, il est chaud. Putain, il est chaud, le coquin. Il est chaud, mais j'ai pas d'autre choix que de réussir cette mission. De toute manière, il faut vraiment que je le tabasse. Il faut vraiment que je le tabasse au maximum possible. Ça serait bien que Yangus lui fasse baisser un petit peu l'armure. Ça serait vraiment cool. Parce que sinon, bah, on va avoir un peu de mal. On lui a enlevé la moitié de sa vie, mais l'arbre de vie a perdu la moitié de sa vie aussi. Donc bon, c'est pas foufou pour le moment. Je pense qu'on est un petit peu mal parti parce qu'on n'avait pas compris le principe à la base. Aïe, putain, en plus je prends cher. Attention. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, non, il a amélioré son attaque.
Attention, attention, attention. Voilà, là, il nous a entravé les mouvements. Ce qui est pas cool du tout. Allez, on le tape, voilà, c'est bon, en plus il fonce dedans le con. J'ai l'attention, allez c'est parti, ben, quand on a l'attention, autant l'utiliser. Et là, ben, alors là on tartine, là, là par contre, on tartine jusqu'au bout, je l'utilise pas. Justement, je le tape jusqu'au bout, parfait. Je le tape vraiment jusqu'au bout, comme ça au moins j'en profite au maximum. Et là, c'est le moment de vérité, c'est le moment de le punir avec la gigantaille comme d'habitude. On récupère toute l'énergie de la foudre, et boum, ça l'a pas touché. Ah si, il est là. Si, c'est bon, on l'a eu. J'ai eu peur, j'ai cru que ça l'avait pas touché, je voyais pas sa barre de vie. Allez, attends, c'est qui celui-là encore? Oh, il a l'attention, lui. Il a de l'attention. Ah, soudain, l'air de... Qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Ouh, j'ai esquivé son gros coup de... Attention, qu'est-ce qu'il prépare, là? Ok, attention, dégâts. Ouais, bah, attention, dégâts, mais qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Qu'est-ce qu'il fout, là? Il était pas censé être ici, ce con. Allez, on le tape. Aïe. On va prendre un petit peu... Est-ce qu'on peut l'arrêter avec de la foudre? Oui, on peut l'arrêter avec de la foudre. Ah, ben c'est parfait, ça tombe très très bien que j'ai pris Jessica du coup. Puisque forcément, c'est une machine de guerre, du coup il craint la foudre ce petit con. Et autant en profiter pour le taper. Boum, tu te calmes. Ouah, J'ai perdu toute ma vie. Ah, il va me tuer. Ça va, Medixis qui est en train de nous soigner au passage. C'est cool. Voilà, calme-toi mon petit. Allez, on va tenter une méga tornade, let's go. Voilà, parfait ça. Allez mon petit Yangus, tu le tartines. Aïe, je suis pris dans sa tornade à la con là. Boum, c'est bon, on lui a baissé la vie. Par contre, je crois que Yangus, il est mort. Ah, il est mort, Yangus, non? Yangus est mort, je crois. Oh, putain, mais tout le monde va crever en fait. Attendez, parce que tout le monde va crever. On va utiliser une pierre de soin, parfait. Pierre de soin utilisée. Attention, c'est quoi cette attaque à la con là? Elle fait trop mal cette attaque. Allez, viens, rapproche-toi. Méga foudre! Boum! Dans ton nez, con. Et là, je te promets qu'on te met le compte. Lui, il faut vraiment utiliser de la foudre, en fait. C'est pas si compliqué que ça. Si ce n'est que. On a la tension avec Yangus. Et ça, tu vas me le payer, mon coco. Tu vas me le payer! Puisque là, je suis invincible. Et reviens ici. Je sais pas où il va. Reviens ici. Allez! Je l'ai raté. Et ouais, mais il fait que courir, le con. Toi, c'est bon, tu m'as saoulé. Boum! Et voilà, attention dégâts. Oh putain, il y a un mort. Mais c'est bon, toi je t'ai eu. On va essayer de réanimer je sais pas qui. C'est bon, lui il est mort, mais je crois qu'il y a les deux magiques canons. À moins qu'il y avait juste eux à vaincre et c'est bon. S'il y a que à vaincre, ça me va. Bah, apparemment, ouais, je peux pas bouger la caméra, je peux rien faire d'autre. Ah si, c'est bon. Merde, comment je fais pour le soigner? Merde, j'ai pas pu le soigner. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il prend l'XP Lilian du coup s'il est mort comme ça? Parce que je sais que dans les anciens Dragon Quest, quand vous avez un personnage qui meurt au combat et que vous terminez donc le combat, ben, ce personnage-là ne prend pas l'XP.里を救ってくれたことはありがたく思うわよ。でもね、掟を破った罰は受けてもらわなくちゃ。さてと、すごく痛いのと、とっても恥ずかしいの、どっちがいいかね。え、もしかして。 無事では済まないかもしれないってこのこと？そうなの。ごめんね。俺は恥ずかしいより痛い方がいい。え、何待ってよ。え？私は痛いのはちょっと。ありがとう、二人とも。でも、あなたたちに罰は受けさせないわ。おばあ様、私たち朝廷者の使命は世界中を守り、 光と闇のバランスを保つことのはず。今世界中は闇の力に侵され、本来の機能を失っているの。このままではいずれ枯れてしまうわ。私は朝廷者として世界中を助けたいの。そのためなら手段は選ばない。掟だっていくつでも破るつもりよ。おばあ様。 いや、おさ、そこをどいて。この子たち、光の一族の力がどうしても必要なの。
言いたいことはそれでおしまいかい。お前は本当に困った孫だよ。聞き分けのない子には死ぬより辛い罰を与えなければ。 さすが私の孫だわね。お前の言う通りだよ。私たちには掟を守ることなんかより大切な使命がある。里の外に出ていい仲間と出会ってしっかり成長したんだね。 ジュリエッタ、私はお前を誇りに思うわよ。さすが私のおばあ様だわ。ありがとう。さあ祈りを捧げなさい。霊木はきっとあなた方の声に応えてくれますよ。 Ok, d'accord, très bien, cinématique qui se termine comme ça, bon, pourquoi pas la rigueur, mais on a réussi l'épreuve, et puis on a la grand-mère qui a failli nous tuer quand même, j'ai bien cru qu'elle allait vraiment être un boss, quoi, je me suis dit à un moment donné, putain, mais on va devoir vraiment l'affronter, ou ça se passe comment? Mais bon, au final, non, ça va, elle a été gentille, on a pu faire nos prières, et du coup on a pu récupérer un petit peu de l'arbre du vie, là, une petite partie de l'arbre du vie, et on va essayer de sauver l'Hydralis, quoi, du coup. Alors, voyons voir, Aurora. Je rigole, mais je m'étouffe vraiment. Allez, waouh, je ne m'attendais pas à ce que la grand-mère d'Isilde soit la chef des consuls. Elle est véritablement redoutable. Pendant quelques instants, j'ai même craint qu'on en sorte indemne. Mais la rosée est désormais en notre possession. Désolé pour ma grand-mère, elle aime bien faire des plaisanteries. Je crois qu'elle nous a tout à fait... Elle nous a tous fait marcher à un moment. Il y a si longtemps que j'ai quitté le village, cela fait des années que je ne l'avais pas vue. Je pensais qu'elle serait furieuse après moi, mais mon petit discours semble l'avoir convaincue. La déesse soit louée. Tu as bien de la chance d'avoir une grand-mère comme elle. En effet, j'ai bien de la chance d'avoir des amis comme vous. Merci beaucoup, Lilian, Aurora et vous tous. Arrête ça, Isilde, tu vas me faire rougir. Ah, moi aussi, mais ne nous emballons pas trop tôt. Notre mission est loin d'être terminée, nous devons utiliser la rosée pour sauver l'Hydralis. Une quantité de liquide sacré aussi chichement petite est-elle vraiment suffisante pour sauver un arbre si considérablement gigantesque? Aucun problème pour ça, une seule goutte versée au bon endroit sur la cime de l'Hydralis se propagera dans tout l'arbre. Alors nous voilà repartis pour le sanctuaire situé au sommet, c'est bien ça? Dans ce cas, nous allons devoir nous occuper des hordes de monstres qui infestent toujours le secteur. Effectivement, l'ascension ne sera pas facile, mais si nous restons unis, nous y parviendrons. Ah, préparons-nous au combat, mes amis, l'heure est venue de reprendre l'arbre du monde. Très bien, très bien, très bien, très bien, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Ça me va, bah ouais, ça me va, moi ça... Ah, il y a des nouvelles armes et tout qui va être disponible, voyons voir, on va aller regarder un petit peu, des boucliers, des armes. Ouais, oui, il y a beaucoup de... Bouclier du dragon, bouclier de la sainte, bouclier exceptionnel. Est-ce qu'on l'achète? Est-ce que ça vaut le coup qu'on achète ça? Ça nous rajoute que 5 d'armure. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Ouais, non, on va pas acheter ça. Par contre, dans les épées, j'ai vu qu'il y avait de nouvelles épées, du coup. Ah ouf, ah ouf. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous cherchez? Lame du faucon, on peut pas. Épaissir rapidement qu'un faucon à piquer, épaisse affûtée qu'elle transperce des écailles de dragon. Mais pourquoi je peux pas les acheter, ceux-là? Attendez, attendez, pourquoi je peux pas les... Attendez, parce que équipement impossible. Pourquoi je peux pas équiper ça si... je comprends pas pourquoi je peux pas l'équiper alors que c'est une épée. Alors ça, là, je peux.
fleuret flamboyant forgé dans les flammes les plus ardentes. Lame de feu, voyons. Ah ouais, elle est belle. Elle est plutôt belle. Elle est plutôt très très belle, même. Et par contre, elle me fait passer de 225 à 246. Ah oui, bah... On prend. On prend direct. Oui, allez, fais péter. Voilà, parfait. Du coup, est-ce qu'on va avoir de nouvelles... Ouais, non, mais ça, je vais pas te le prendre, Isild, parce qu'Isild, je vais te virer, de toute manière. Il est où, mon petit Yangus? Voilà, 218 à 237. Allez, on fait péter, c'est parti. Oui, pour là, et on commence à avoir des armes. Des armes qui ne rigolent plus. Jessica, c'est quoi, déjà, Jessica? C'est un fouet. Voilà, c'est ça. Par contre, putain, en termes d'argent, je suis en train de gaspiller un fouet très résistant conçu sur un modèle de queue de dragon. Ça augmente combien? Que de 12? Ah, ouais, non, je vais pas te le prendre si ça augmente que de 12, hein, ma grande. Bon, du coup, on va aller virer Isild dans un premier temps. Il y a de nouvelles quêtes, ouais, il y a de nouvelles quêtes. Mais bon, je les ferai plus tard, les quêtes, je les ferai en étant hors ligne, comme d'habitude. Comme ça, au moins, ça me permet ensuite de réussir l'émission principale plus facilement. Réorganiser l'équipe, du coup, on va prendre qui? On a dit qu'on prenait Tommy. Moi, j'aimerais bien rejouer Aurora, Bianca plutôt. Donc bon, là, on va prendre Tommy. Et la prochaine fois, je rejouerai Bianca, d'accord? Allez, on va prendre Tommy, mon chou, c'est bon, parfait, ok. Du coup, non, il n'y a plus rien à faire ici. Alors, du coup, 156 à 190 quand même. Ah oui! Attendez, non, mais c'est pas là-dedans que moi je veux aller. Voilà, c'est ici. Ah ouais, 156 à 190. On prend avec grand plaisir. Ah oui, direct. Oui. excusez-moi. Ça arrive, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Du coup, ça a été fait. Niveau des orbes, qu'est-ce qu'on a? On a des orbes bien balèzes ou pas? Ouais, on a des trucs bien sympas là. On a des trucs bien sympas, je pense que sur Jessica, je vais m'en prendre une. Sur Yangus aussi. Allez, on va prendre ça, 8000, oui. Veux-tu t'en équiper maintenant? Oui. Bon, je sais que je perds beaucoup d'argent, mais je vais pouvoir revendre aussi mes anciens équipements. Donc du coup, ça va, ça reste... disons que ça reste correct. Du coup, j'avais dit que je prenais ça sur qui? Sur tout le monde, je pense. Non, à part sur Tommy et Lilian, ça augmente pas tant que ça. Ouais, ça augmente pas tant que ça sur Tommy et sur Lilian. Par contre, sur Yangus et sur Jessica, ça augmente bien, donc autant l'utiliser. Yangus, voilà, ça augmente quand même de 18, donc c'est pas mal du tout, hein, c'est même très très bien. La revente, je la ferai plus tard, on s'en fout pour le moment. Et du coup, on va aller se faire une petite quête. Chef, vous tous, nous approchons de l'arbre du monde. D'après nos troupes stationnées en ville, les ténèbres enveloppant les branches de l'Hydralis s'épaississent toujours plus. Des nuées de perfides ennemis l'envahissent. Il ne résistera plus très longtemps. Si nous n'agissons pas rapidement, ses racines s'éteindront et mourront. Une fois que les ténèbres l'auront englouti, toute la rosée sera sacrée du monde ne suffira pas à le sauver. Là, ne restons pas les bras croisés sans l'arbre du monde. Allez, c'est bon. Le blabla. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Point du jour? Non, j'ai pas point du jour, moi, à faire. Non. Du coup, il faut qu'on retourne, voilà, à l'Hydralis, de l'ombre à la lumière. Let's go! Allez, on y va, du coup, avec l'arrosée de l'arbre de vie de Pomme du jour, le village natal d'Isild, pour en mettre une petite goutte sur l'arbre du monde. Oula, ah oui, là, c'est beaucoup plus... L'ambiance est beaucoup plus ténébreuse qu'auparavant, d'ailleurs. Un seul regard vers l'Hydralis corrompu suffit à me briser le cœur. Si seulement il existait un moyen d'inverser le cours du temps, hein. Il y en a un. Nous disposons de la rosée sacrée et de pouvoir de la lumière. Nous pouvons réparer les dégâts de Velasco. Il a raison, quand nous aurons guéri l'Hydralis, Arcane ne pourra plus se réveiller et les plans de Monsieur Moustache tomberont à l'eau. Ça clash, Monsieur Moustache. Ah, moi c'est bon, maintenant je l'appelle plus Velasco, je l'appelle Monsieur Moustache. Oula, qu'est-ce que c'est, toutes ces armures là? Allez, dégagez tous. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va jouer un petit peu. On va jouer Tommy. Alors, Tommy, il a quoi déjà? Aspire à coupe. Ah oui, c'est bon, effectivement, je m'en souviens un petit peu. Et ensuite, on avait quoi? Attaque du faucon. Très bien. Par contre, ouais, je me suis fait défoncer. D'accord, ouais, ça crée un double. Par contre, je n'aime pas du tout sort et aptitude inutilisable. Ah merde. Je n'aime pas du tout les armures comme ça là. C'est un peu chiant à attaquer. Ok, c'est bon. Allez, il y a un peu de monde là. C'est un peu embêtant. En plus, je peux pas utiliser mes sorts. C'est un peu la caca. C'est un peu la caca comme ça, hein, si je peux pas utiliser mes sorts. Allez, c'est bon, vous m'avez saoulé. Aspire à coupe. Attention à pas tomber dans le vide aussi. Attention à pas tomber dans le vide. Oh, on récupère. Oh, vous avez ramassé une médaille d'armure fatale. Frappe les ennemis avec son bouclier avant de défendre sa position. Ouais, bon, ben ça, on s'en doutait. Hein. On s'en doutait un petit peu quand même, faut pas déconner. On s'en doutait un petit peu. On va récupérer ça. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse en fait. Est-ce qu'il faut que je défonce tout le monde ou est-ce que y a un but bien précis? Oula, il y a un peu de monde par ici. Allez, aspire à coupe. Voilà les copains. J'espère que vous avez apprécié ça.
Tommy, ça fait un petit moment, je l'avais pas joué, mais j'aime bien Tommy. Allez hop, il est passé niveau 31 direct. Il a pas le temps, Tommy. Il a pas le temps. Bon, c'est vrai qu'il est en retard niveau, sur les niveaux par rapport à mes autres personnages, puisqu'il est niveau 30 et les autres sont quand même niveau 40 déjà, quasiment. Donc effectivement, il est un peu en retard, mais c'est pas bien grave, ça. C'est pas bien grave. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, là. Je m'amuse à défoncer un peu tout le monde, mais je sais pas si c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, d'accord, j'ai compris. Je pense que je vais aller défoncer le Maelstrom monstre d'abord dans un premier temps pour essayer de progresser. Voilà, c'est bien ce qu'il fallait que je fasse. Qui a eu l'idée brillante de placer ça ici? Et comment est-ce qu'on peut censé passer de l'autre côté, hein? On le brûle, on le coupe en deux, je sais pas. Je crois qu'on aura du mal à y aller en force avec nos armes. Quelqu'un aurait une idée de génie? Ah, Lucius, le stratège. Lucius, le stratège. Voyons voir. Non. Si on se débarrasse pas d'eux, ok, ouais, d'accord, donc il faut qu'on se débarrasse de nos ennemis. Quant à toi, voilà, tu vas manger déjà. Oh, le Maelstrom monstre, il a pas l'air très très solide, hein, quand même. Il a pas l'air très très solide. Allez, tu manges mon aspirocoupe. Ouais, ah, raté. Oh, comment il a fait ça pour rater Oh, il esquive mes attaques, le con. Il est chaud, lui. Voilà, mon petit Maelstrom monstre, tu es vaincu. Pas très compliqué, le Maelstrom monstre à vaincre, quand même. Je m'attendais un peu mieux de sa part. Mais bon, tapis. Un peu déçu, quand même, ouais. Toi, c'est bon, tu nous as saoulé. Allez, dégage. Ah, il est pas vaincu encore. Putain, il est costaud, lui. Il est costaud, le coquin. Oh, il est parti où? Ah, il est tombé dans le vide. Ah, le con. Est-ce que moi, je peux tomber dans le vide? Je pense que ouais, donc on va essayer de faire attention, quand même. Je pense que ouais, on va essayer de pas trop déconner, quoi. De pas prendre de risques, en gros. Est-ce que toi, je t'ai vaincu? On a récupéré pas mal d'armure sans chevalier, là. On est pas mal du tout. Allez, on va essayer d'aller attaquer un peu les chamans là-bas. Ouais, non, ça c'est du corps à corps. Attention, il prépare une attaque, les cons. Il prépare une attaque. Allez, boum. Ah, voilà, là on a créé le double. Et là, on attaque deux fois plus vite. On a la tension avec Tommy. On va essayer d'aller par là, voilà. Ouais, ça récupère un peu de... C'est cool, ça, le double, là, qui nous suit, comme ça. C'est pas mal du tout. On va essayer de récupérer la chaussée au fut. Je sais pas s'il faut que j'affronte tout le monde, ou est-ce qu'il faut que je progresse. Les monstres commencent à fuir, ouais, donc c'était ça, en fait. C'était ça, il suffisait juste, voilà, de commencer à... Ok. Allez, on avance, on va à la suite. Non, j'ai cru que c'était le vide, j'ai eu peur. Allez, on va prendre ça, du coup. Ok, il y a un petit Maelstrom monstre qui est apparu. Ouh, il y en a 4 Maelstrom monstres même. Il n'y en a pas qu'un. Il y a un gros troll. Il y a un gros troll, non? Bah, il y a un gros troll. Il y a le chef. Allez, c'est parti, du coup, on va utiliser l'attention. On était invincible pendant ce petit laps de temps. Autant l'utiliser. Allez, on était invincible. Le golem doré. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser... Voilà, merde, comment ça s'appelle? Mais qu'est-ce qu'il me fait, Tommy? Vous avez ramassé une médaille de gargouille, qu'est-ce que c'est, ça? Déjoue les sorts ennemis avec l'anti-magie avant de défendre sa position, intéressant, ça. Allez, du coup, il y a l'attention de Tommy qui s'active. Let's go. Alors, je me souviens plus trop ce que c'était, je crois que c'était un gros coup d'épée électrique, hein, si je me souviens bien. Oh, le troll, oh, que tu vas prendre cher. Oh oui, tu vas prendre cher. Allez, 1400 d'entonnés. Oh, je pense pas que ça suffira à le vaincre, mais 1400, ça reste 1400. Et du coup, c'est pas négligeable. Voilà, en plus, on te tartine bien sévèrement. Putain, je récupère de la vie à chaque fois, c'est quoi, ça? C'est mon épée qui fait que ça, que je récupère de la vie, ou c'est un monstre qui me redonne autant de vie, là? Je pense que c'est l'épée, mais c'est cool si c'est l'épée. C'est vraiment cool. Du coup, on a vaincu tout le monde. Ah, on peut récupérer l'ogre. Alors, attendez, on va récupérer l'ogre, du coup. Voilà, vous avez ramassé le chef troll. Se roule en boule avant de s'élancer et d'infliger d'importants dégâts devant. Excellent. Ah ben, du coup, c'est l'occasion de tester ça. Alors, on va le tester un peu plus loin, par contre, parce que ici, bon, c'est des petits monstres. Un groupe de monstres mené par un tyrannosaure. Oh putain, le tyrannosaure. Oh, c'est qui, lui? Un peu d'aide serait la bienvenue, on dirait. C'est qui, celui-là? C'est qui, ce mec? Un mystérieux épéiste est apparu. Pas de problème, il peut apparaître tant qu'il nous aide. Oh, tu viens nous filer un coup de main, super. Ouais, non, je crois qu'il était un peu méchant il y a quelques temps. Il me semblait qu'on l'avait croisé, déjà. A vaincu le tyrannosaure. Sérieux, il a vaincu, en plus? Mais je sais pas d'où il sort, lui, mais ouais, il a l'air chaud. Allez, boum, voilà, des boules de feu. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Oh, Tyrantosaur ici. Allez, c'est parti de tester ça. Boum, tu leur roules dessus. Oh, 2100 de dégâts, il leur a mis. Ah, mais il est chaud, hein. Ah, qu'il est chaud, hein. 2100 de dégâts. J'avoue, je l'ai sous-estimé, le petit chef troll.
Il est où, hein? Il est où, lui, Tyrantosaur, là? Allez, fais péter une médaille de Tyrantosaur, là, ça serait cool. Voilà, on l'a vaincu. On l'a vaincu. Allez, franchement, une petite médaille de Tyrantosaur. Ah, une petite médaille. Oui! Allez, Tyrantosaur, envoie ses ennemis dans les airs d'un coup de hache avant de défendre sa position. Voilà, ça, ça me fait plaisir. Ça, ça me met de bonne humeur, tout ça. Ça me met de bonne humeur. Ah, oui, oui, on récupère ça, on en a besoin. Allez, toi, on va te... Ah non, merde, c'est un ennemi, je suis con. C'est un allié, con, n'importe quoi. Moi, j'attaque les alliés. Ah, c'est lui, l'ennemi. C'est lui, l'ennemi. Ok, je crois qu'il a été vaincu, hein. Je crois, je suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, ouais, je me disais, j'étais en train de manger une tornade. Allez, fais péter, voilà, des boules de feu. Voilà, la petite boule de feu qui fait plaisir. Boum! On vous fait mal. Le malstro monstre qui est derrière. Il est où, hein? Il est en train de voler à travers le... Ok, il est là. Allez, c'est parti. Boum! Allez, on va le vaincre, on va le vaincre. Il a pas l'air si compliqué que ça à vaincre. Ouais, c'est le même que tout à l'heure du coup. Allez, il est vaincu dans quelques secondes. Voilà, mon petit coco. T'as pas fait long feu, hein. T'as pas fait long feu. Oh dodo, merde, il m'a endormi le con. Bon ben toi, rien que parce que tu m'as endormi, voilà. Putain, Yangus, il a vraiment des combos qui sont vraiment trop stylés. Boum. Ah, il y a un malstro monstre là aussi. Merde, je l'avais pas vu lui. Je l'avais pas vu, hein. Allez, redescends un peu là. Il est où, hein? Tu veux pas redescendre toi? Je peux pas t'attaquer là, t'es un peu trop haut pour moi. Voilà, redescends un peu là. Quoi, il y a encore un malstro? Ah non, c'est lui, putain. Ah là, voilà, là il est en bas. Là il est en bas, faut que j'en profite. Ah putain, sort et aptitude inutilisable. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le vaincre comme ça. On va essayer de le vaincre comme ça. Allez, ça devrait passer. Tiens, ouais, par contre, il esquive, il est un petit peu chiant sur ça. Mais mis à part ça, il va pas m'embêter longtemps. Il est où ce con? Il est là. Allez, on utilise le singe là qui va balancer des boules de feu. Ouais, non, ça aura pas été très utile en fait. Allez, là je t'ai touché. Il est où? Il est là-haut. Allez, normalement c'est bon là. Là il est vaincu. Voilà, il est vaincu. Il nous en reste qu'un. Il nous en reste qu'un. Il y a encore quelques petits monstres par ici, mais rien de fou, rien de foufou. Voilà, on va les laisser dans leur coin. Et nous on va aller utiliser le Tyrantosaur un peu plus haut. Hop, on saute. À moins qu'il ait pas besoin de sauter. Ouais, si, faut sauter. Faut sauter. On est obligé de passer par là. Voilà, c'est ça, par ici. Ou soit, ouais, non, on va passer par ici. On va passer par ici, on va utiliser le Tyrantosaur. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce qu'il vaut, le Tyrantosaur. Boum, il est arrivé. Ok, il y en a un qui est mort déjà. Allez, mon petit malstro monstre là. Tu te caches en plus, tu te caches encore. Tu te caches, tel un coquin. Non, voilà, reste à terre. Voilà, t'es bien quand t'es à terre comme ça, t'es très bien. Allez, voilà, maintenant on est deux. Maintenant on est deux à te tartiner. On est deux à te tartiner et ça fait mal. Elle est vraiment stylée cette attaque là. Attaque du faucon. Y'a pas à dire, elle est vraiment cool. Et nous avons réussi cette mission, il semblerait. Il semblerait, par contre, il faudrait qu'on découvre qui est ce mystérieux épéiste qui est venu, voilà, je crois qu'on va le découvrir maintenant. Nous sommes libres d'avancer, venez. Ah bah écoute, on avance. On va avancer, mon petit Lilian. Est-ce qu'on peut passer par ici? Non, on est obligé de faire le tour. On est obligé de faire le tour, je m'en souviens, donc il faut revenir en arrière et tout. Oh là là, putain, c'est la galère. C'est la galère, mais bon, c'est pas grave. On perd un peu de temps, mais rien de fou. Faut pas être trop pressé, de toute manière. Il y a quelque chose à ramasser ici, voilà. Un message, j'ai dit n'importe quoi. Une médaille de babouin qui lance du feu, en plus, du coup, ça tombe bien. Est-ce que ça, je le récupère? Je pense que j'en ai pas forcément besoin. Ah, il y a un coffre, on récupère. Oh, de l'argent. De l'argent. 465, ouais, c'est de la merde, 465. Quand on sait que je paye une arme 20 000, va y avoir un boss ici. Oh, va y avoir un boss. Ah ouais, je m'en souviens, ici, on avait affronté un gros golem. Je m'en souviens, on avait affronté un gros... Oh, le babouin, qu'est-ce qu'il va nous invoquer? Un malstro monstre est apparu. Oh, putain, non, pas lui. Mais ça va, j'avais gardé de la médaille de côté. Du coup, ça va aller, ça va le faire. Voilà, on a gardé de la médaille de côté. Attention à son tir givré. Ouais, il y a un troll derrière aussi. Allez, on a l'attention, ben c'est parti, on va l'utiliser du coup. On va utiliser l'attention, et là, on va essayer de lui mettre un maximum de dégâts. Est-ce qu'on essayerait pas de vaincre d'abord le malstro monstre? Est-ce qu'on essayerait pas de vaincre le malstro monstre d'abord? Allez, attaque du faucon, comme ça on va attaquer à deux, parfait. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti, on va balancer l'attaque ultime de notre petit Tommy. Tommy qui est vraiment fun à jouer, clairement. Tommy, c'est vrai que c'est un personnage. De toute façon, les épéistes, à chaque fois, j'adore les épéistes. Peu importe le jeu auquel je joue, c'est vrai que quand je prends les épéistes, putain, j'ai failli me faire mal à la mâchoire. C'est vrai qu'en général, je kiffe énormément les épéistes. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais j'adore ça. Je trouve vraiment ça super bien et super pratique. Ah, il y a une petite médaille à récupérer par ici. Voyons voir. Médaille de Guérigluar. Lance des soins partiaux pour restaurer les PV des alliés. Ouais, ça peut être pas mal, ça, tiens. Hop.
Allez, on va... Oh non! Oh, oh, j'ai cru... Oh, j'ai cru que c'était moi qui étais mort sur cette attaque dégueulasse. Ah, mais c'est bon, les deux sont vaincus à... Les deux sont vaincus quasiment en même temps. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Et du coup, nous avons réussi la mission? Ou est-ce qu'il y a encore un boss qui va apparaître? Ah, c'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'était, je pense que ça... J'ai pas eu le temps de lire ce que c'était, voyons. Ok, non... ah oui, d'accord, ok, c'est des fioles... Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La porte de la cime est maintenant ouverte. Allez, on y va alors, let's go! On y va, on y va. Putain, pourquoi elle brille mon épée? Ah, j'ai l'attaque améliorée, non? Je dois avoir l'attaque améliorée pendant quelques secondes, je pense. J'ai pas fait attention, mais je pense que c'est ça. Ok, continue d'avancer, mais on a réussi. On a réussi cette première mission, et une victoire de plus. Une. Elle est vraiment trop classe, l'épée que je lui ai achetée à Tommy. Elle est vraiment super belle. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il va se dire, du coup? Non, y a rien qui se dit. Peut-être une cinématique? Non, même pas. On retourne à l'Aerox. Elle est très bien. Bon, ça va, la mission était pas si compliquée que ça. Je pensais que ça allait être un peu plus dur, mais ça va. On s'en sort plutôt bien, malgré que Tommy soit niveau 30 et non pas niveau 40 comme les autres. C'est plutôt pas mal. Bon, tout le monde a pris un niveau, là? Non, il y a que Tommy, justement, qui a pris un petit niveau. Ben, ça tombe bien. Merci, les gars. Merci, merci. On a récupéré pas mal de petits objets. Et du coup, eh bien, on va terminer cette vidéo par ici. Et puis, on continuera l'histoire un peu plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la vidéo. Je vais tourner la vidéo suivante, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. L'histoire commence à devenir vraiment très très intéressante. J'espère vraiment que vous appréciez justement ce petit Dragon Quest Heroes. C'est vrai que c'est une licence que j'adore énormément et que je tenais vraiment à vous partager. Du coup voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez des avis, des conseils ou autres, comme d'habitude, dans l'espace commentaire. J'ai plus qu'à vous remercier. Merci à tous, amusez-vous bien, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur ce Dragon Quest. Bye bye tout le monde !